aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un action vérité. Avant de commencer, c'est une vidéo sponsor. Comme d'hab. Par NordVPN. NordVPN, vous connaissez sûrement, là je me connais parce que tous les youtubeurs ont fait un placement de produit dessus. Et il manquait plus que nous pour qu'on boucle la boucle, lol. Alors NordVPN, c'est un réseau privé virtuel. Ça protège votre ordinateur en fait des hackers, tout ça. Si vous êtes dans des wifi publics, et ben ça vous protège des pirates. Hein? Des pirates? Bah oui, des genre pirates avec les bateaux et tout. Bah oui, avec les cachoïs genre Jack Sparrow et tout ça. Hein. Mais eux, ils ont pas des ordinateurs. Hein. Bah si, ils ont des ordinateurs, ils peuvent te pirater quand ils veulent. Hein. Mais sur le bateau, ils ont pas l'électricité. Hein. Bah si. Hein. Genre moi, parfois, quand je veux regarder des trucs sur Netflix qui sont pas dispo en France, et bah je change la localisation de mon PC grâce à NordVPN et je me connectais soit aux États-Unis, soit en Belgique, en Suisse, n'importe où. Et là, parfois, il y a ce que je veux. Mais putain, ta gueule, t'es chiante. En tout cas, sachez qu'on n'est pas des bâtards parce qu'on a un code promo pour vous, c'est Bye Forever. Vous pourrez profiter de moins 75% de réduction sur un abonnement de 3 ans. Et en plus, le premier mois est offert. Wow! Merci NordVPN pour la thune. Et maintenant on se retrouve pour le action vérité, bye. Alors ça c'est vérité et ça c'est action. Tu choisis quoi, bye? Vérité, lol. Mais c'est à moi de piocher, bye. Mais bye, c'est moi qui choisis. Putain, t'es trop une gamine. Toi t'es une gamine. As-tu déjà fait une fellation? Moi je pense que j'ai la réponse. Yes sir. Yes quoi? Oui. C'est oui, mais genre c'était avec mes potes il y a méga longtemps, enfin tout le monde fait ça entre mecs en fait, donc Ah. Bah oui, ah ça bon. Va. Bah ouais, ça va. J'étais quoi, c'était avec Corentin, je crois, on était en 6ème, il m'a dit... Ouais, Corentin. Il m'a fait, ouais, Antonin et tout, est-ce que ça te dit, tu me suces la bite et tout. Je dis, bah je sais pas trop et tout, tu sais, je préfère réviser les maths et tout. Et là, genre il baisse son pantalon et je vois son kiki, et j'étais là genre... Comme non ça, mais bah c'est bon, on n'a pas besoin des détails. Ok, à toi bye. Action. Tu dois lécher. J'ai mon pied. Oh non. Bah elle est belle là. Mais c'est dégueu. Mais attends, on avait pas mis ça. T'as rajouté des trucs toi. Mais trop pas. C'est bon, c'est rien. Fais-le, lâche mon pied. D'accord, mais attends, tu t'es lavé quand? Mais c'est bon, je me suis lavé mardi. Mais on est dimanche. Attention, je choisis. Bah non, c'était... Mais quoi? Mais c'est moi qui choisis. Putain, mais t'es chiante. Et tu sais comment il t'appelle au lycée? Non. Bah il t'appelle Maëva la grosse pute. Trop bien. Bye, tu dois mettre du scotch sur ton visage pour faire une tête de monstre. Ok, complètement oublié de vous prévenir, mais on n'est pas du tout dans notre chambre, hein, je pense que vous avez remarqué. Ouais. On est chez qui? Chez Benji et Clémentine qui sont des potes à nous. Oh là là, bye, tu m'aides trop mal. Ah, lol. Mais ça glisse. Mais j'ai la peau grasse. Et là, je vais te mettre le nez comme ça. C'est bon? Aïe. Comment on dit vérité en anglais? C'est verity? Verity. Ah oui. Ta plus grande honte? Ah non, j'ai pas envie de le dire. Allez, bah hey, c'est action vérité, dire, putain, bah, c'est le jeu. T'es relou, hein. Tu veux quoi? Tu veux faire des vues ou quoi? Alors que je vous explique, c'est horrible. La meuf, elle était en quatrième, tu vois, et elle a chié dans sa culotte en cours. Elle a pas arrêté de chier pendant une demi-heure. Elle pouvait même pas s'arrêter. La prof, elle a fait, mais qu'est-ce que c'est que cette fille, quoi. Après, oh, mais franchement, mais moi, si j'avais été dans ta classe, mais je t'aurais harcelé toute l'année parce que c'est trop drôle de faire ça, quoi. Bah, c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Bah, c'est bien fait, j'ai envie de dire. Putain, ils t'appelaient comment, genre cacaprout? Non, on m'appelait. Comment t'as appelé? Bah, Eddy, c'est drôle. Le robinet, merde. Vérité. Okay. Mais c'est moi qui pioche. Mais non, en fait, c'est à l'autre de piocher. C'est complètement con ce que je dis. Tiens. As-tu déjà eu envie de me quitter pour une autre fille que t'as vue dans la rue? Non, je veux pas répondre à ça. Bah si, bah, mais t'inquiète. Bah, je m'inquiète pas. C'est juste... c'est allez, perso. Bah, mais c'est perso. Mais okay. C'est pas perso, t'inquiète. Bah, ouais. Okay. Question suivante. Genre, t'as jamais regardé le cul d'un mec dans la rue? Moi, ça m'arrive de regarder le cul des mecs, hein, c'est bon. À toi, Baé. Je choisis action. Imite un accent au choix. Bonjour, je suis noir et je voudrais manger des bananes. Mais Baé, c'est raciste. Ah, mais Baé, pas sur mes vêtements. D'ailleurs, j'adore ton t-shirt, Baé. Bah, nothing ouais. To lose, rien à louer. Parce que nous, on achète, on loue pas. Appelle ta mère et dis que tu es mort. Ok. Tu veux pas aller chez mes pieds après? Non. Ta mère, elle est là, allô? Oui, allô, maman? Oui. Oui, je suis mort. Raccroche, raccroche. Je suis décédée, lol. Qu'est-ce que tu me racontes? Action pour Baé. Bois ma pisse. Mais ça aussi, t'as rajouté. Bah, c'est le jeu, hein. C'est genre action ou vérité, hein. Je vais pas faire boire de l'eau. Mais est-ce que tu veux lécher mon pied? Non, arrête, Baé. Oh.
Ah, mais tu pisses beaucoup. Tadam. Bah allez, bah allez, c'est bon, c'est de la pisse. Eh bah justement, c'est dégueu, t'as jamais bu de la pisse, toi. Bah si, je crois bien. Ah ouais, bah vas-y, bois. Bah je m'en bats les couilles. À toi. Cul sec, cul sec, cul sec, cul sec, cul sec. Ouais, 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 ouais. Laisse-moi t'embrasser. Mais ça va, bah hé. C'est bon, tu dis que c'est de l'orangina et c'est bon, hein. À moi, action. Ah. Alors, bah, est-ce que tu as déjà fait quelque chose d'illégal? Là, ça va trop se déchaîner, genre, sur Twitter, parce que j'ai déjà fait des trucs illégaux. Bon, comme tout le monde, en fait, hein, genre, j'ai déjà bu de l'alcool alors j'étais mineur, j'ai déjà volé dans les magasins. Et puis aussi, un jour, j'avais quoi, j'avais 12 ans, il y avait le chien du voisin qui arrêtait pas d'aboyer et tout, et genre, moi, je jouais à la PlayStation, tu vois, et ça me saoulait. Et je dis, ouais, t'arrêtes maintenant, parce que sinon, j'appelle la police. Le chien, il comprenait pas. Du coup, je suis allé dans le garage de mon père, j'ai pris une pelle, et bam, le chien, je l'ai tué, voilà. Truc d'illégal, mais je pense qu'on l'a tous fait. Non, mais c'est pas illégal, ça baille. Et j'ai refait la même chose avec le chat qu'ils avaient eu. Le chat, il était venu chez moi. Du coup, le chat, miaou miaou, je l'attire. Qu'est-ce que je fais? Je prends une corde à sauter. Ah, tu l'as fouetté avec? Pas du tout, je suis allé en haut des marches et je l'ai pendu. Ah ouais. Mais ça, c'est pas mais illégal ouais. Non plus. Hein. Encore, ça aurait été avec un humain, là, ça aurait été illégal. Mais avec des animaux, il y a le droit. Hein. Parce que les animaux, ils sont pas des humains, ils sont plus bas que nous, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais après, il y a aussi Romain, tu sais que j'avais... Mais c'est une autre story. Story action. Appelle mon meilleur pote et dis-lui que t'as envie de coucher avec lui. Ça va être trop drôle. Ça va être trop drôle sa réaction. Mais comment il va réagir? Oui, Maléva. Bah là Enzo, faut que je te dise quelque chose en fait. Là j'ai trop, ouais. trop envie de toi. J'ai trop envie de te faire l'amour. Mais que tu me baisses comme une folle quoi. Ah bon putain, mais que je t'ai mis hier, ça devrait aller non? Je t'ai baisé comme une grosse chienne, tu criais comme une grosse truie en tout l'appartement. Je t'ai baisé comme une grosse salope. Et ce qui me fait rire, c'est que bah, l'autre Antonin, l'autre con, là, il est au courant de rien, quoi. Lui, il est bête comme ses pieds, il est fou, il se doute de rien. Et, mais si tu veux, on peut se voir ce soir, à la limite. Parce que là, je suis au taf, là. Mais on se casse ce soir, si tu veux. Et puis, je te retourne tes petites packs. Je te rappelle. Mais tu couches avec Enzo? Mais non, bah, c'était un prank, hein. Ah, c'était un prank, tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais non, je te jure, c'était un prank. Putain, mais vous êtes trop fort! Bah oui! Putain, mais j'ai trop cru! Bah oui! Ah putain, faut que j'appelle Enzo! Et franchement, vous êtes trop fort. Ouais, je suis au taf, là, dis-moi. Ouais, Enzo, ça va? C'est Antonin? Ouais, toi. Putain, ça va? Ouais, j'ai appris pour le prank, là, avec Maëva, vous êtes trop fort. De quoi tu parles? Mais le prank qu'on a fait, là, tout de suite, là, à l'instant que je disais je baise et tout. Ah, non. Mais comment ça, non? Mais non, parce qu'il n'y a pas de prank, on m'a pas dit, en tout cas, on m'a pas mis au courant. Quel prank? Mais que tu couches avec Maëva? Mais Enzo, tu sais bien que j'ai... Oh la vache, putain. Ah ouais. Allez, putain! Et j'ai. Et genre, j'ai. Mais ouais, mais j'ai eu trop peur. Je me suis dit, genre, mon meilleur pote, il couche avec ma meuf en secret! Mais mec, t'es un ouf! Mec, moi vivant, jamais je te fais ça, jamais! Mais je sais! T'es Enzo, le frérot! Allez, bisous, j'y vais! Allez, je t'aime pas! T'es bizarre quand même quand il a mis du temps à comprendre que c'était un prank. Non mais il est attardé mental. Il est un peu gogol Enzo. Mmh. Moi je vous conseille tous d'avoir un poteau comme Enzo parce que c'est le genre de mec jamais il vous plantera une cuillère dans le dos. Bref, whatever, next. Tu t'es branlé quand pour la dernière fois? Quelle journée? Ok. Je l'ai fait du coup il y a 45 minutes, un truc comme ça. Mais attends, il y a 45 minutes on était en train de faire une sieste. Tu faisais une sieste? Tu t'es branlé à côté de moi, bah. Mais non, je suis allé dans les chiottes. Prends 10 médicaments différents en même temps. Plaquettes neuves, prescrites par mon médecin parce que soi-disant j'avais problème de personality. Personality. Il m'avait dit une fois, surtout Antonin, vous en prenez pas plus d'un par jour car c'est très dangereux. Tu le fais trop bien, bah. Hein. Merci, tu devrais être médecin. Bah non, j'écris trop bien, je peux pas. Ah ouais. Donc bah tu vas tous les avaler sauf un vu que je suis sympa. Plaquette vide sauf uno. 3. Ça va rien me faire hein. 1. Mais non, c'est que des médocs. Hashtag mort. Ah mais putain, mais Bae elle arrive trop bien à tout avaler. Genre moi j'ai trop du mal à avaler. J'avale tout le temps. Bah ouais. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi, ce Action Verity. On est revenu sur YouTube parce qu'on n'avait pas fait de vidéo depuis très 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 longtemps et on avait vraiment besoin d'argent. Merci à NordVPN de nous avoir sponsor. Merci à vous pour les likes, les commentaires, les partages. Bae, t'as un petit mot à dire pour notre commu? Bah je me sens pas bien. Bah je me sens pas bien. Merci pour tout le love que vous nous envoyez. Merci pour l'argent, merci pour tout. Code promo, oubliez pas, Bae Forever. Voilà. On se retrouvera une prochaine fois dans une autre vidéo avec Bae qui est trop heureuse d'être là, mon amour.
Un dernier mot, bye, avant qu'on quitte la vidéo. Je suis pas bien. Allez, bye everybody.